Bienvenue sur le forum des lecteurs Corrèze Télévision, La Montagne, France Bleu Limousin. Un forum qui a pour thème le club de la presse avec Christine Ockrent pour Les Oligarques aux éditions Robert Laffont. Avec également Audrey Pulvar, vous pouvez les applaudir, pour son livre Libre comme elle aux éditions La Martinière. Et enfin au centre du plateau Georges Malbruno pour Les Chemins de Damas aux éditions Robert Laffont. Un forum des lecteurs animé par l'excellente Karine Papillot. Merci, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux sur ce plateau. C'est incroyable, on ne voit pas où le nombre de spectateurs s'arrête. J'espère que vous avez un retour micro suffisant pour le fond là-bas. Enfin, c'est très très impressionnant. Nous n'avons qu'une demi-heure pour parler de livres qui sont tous les trois absolument fondamentaux. Audrey Pulvar, votre livre s'inscrit plus dans une démarche à la fois journalistique et très littéraire. J'ai été vraiment très subjuguée par le contenu de votre livre sur une approche, faire 21 portraits de femmes qui semble être un exercice presque ordinaire. Et en réalité, ce que vous en faites à travers le texte, votre façon de réinterpréter ces personnalités et les illustrations proposées, c'est un beau livre qui amène à la réflexion. Quelle était votre démarche, Audrey ? Mais merci Karine de l'avoir vu comme ça. Écoutez, la démarche, c'était simplement pas de faire un énième livre sur Simone de Beauvoir ou sur Gisèle Halimi, sur Camille Claudel, sur lesquels tout a déjà été dit. L'objet du livre, c'était pour moi de rendre hommage à des femmes qui, quand j'étais adolescente, quand j'étais une jeune femme, m'ont aidée, m'ont construite, m'ont aidée à construire ma pensée féministe, à construire ma vision du monde, de la société dans laquelle on vit, et toutes ces questions liées à l'égalité entre femmes et hommes qui me préoccupent et que voilà, auxquelles je me consacre depuis une vingtaine d'années. Alors, restons déjà sur le titre « Libre comme elle », comme « elle » au pluriel, on comprend. « Libre » avec un « S », ça correspond à quoi ? Parce que « elle » était libre, toutes ces femmes étaient libres. En fait, si vous voulez, tout mon travail... celui-là, comme celui, enfin tout ce que j'ai écrit auparavant, que ce soit dans des éditos, que ce soit dans mon roman, dans celui que je prépare, dans celui que j'ai publié, c'est l'interrogation sur la distance qu'il peut y avoir entre ce qu'on fait de sa vie réellement et ce qu'on aurait voulu en faire, au-delà des rêves qu'on peut avoir et qu'on ne réalise pas toujours. Mais il y a quand même un certain nombre de contraintes qui s'imposent à nous, que l'on accepte plus ou moins, contraintes liées à l'organisation de la société, à la vie de famille, à la vie professionnelle, etc. Et finalement, on se rend compte à un moment... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la distance entre ce qu'on aurait voulu faire de sa vie et ce qu'on en fait réellement. Et la différence entre la plupart des femmes et celles qui sont dans ce livre-là, c'est qu'elles ont décidé d'aller au bout de leur souhait de liberté, au bout de leur maîtrise par elles-mêmes de leur destin. Et ça m'a beaucoup aidé moi à me construire moi-même et encore une fois à réfléchir à la façon dont pour moi la société s'organiserait idéalement. Je suis née au tout début des années 70 dans une famille où il y avait beaucoup de femmes et où il y avait beaucoup de, enfin où toutes les femmes et les hommes d'ailleurs étaient féministes. J'ai été élevée par des féministes. Je suis tombée dans le bain des combats de Simone Veil, qui n'est pas dans le livre. Il y a la Simone Veil philosophe, mais pas la Simone Veil politique. Dans le combat de Gisèle Halimi, j'ai été vraiment biberonnée par ces femmes-là et accompagnée tout au long de mon enfance, mon adolescence et encore une fois mon éveil à la vie adulte par les artistes aussi qui sont dans ce livre. Et elles m'ont guidée, j'avais envie de leur rendre hommage. Alors ces femmes, elles ont pour point commun ou d'avoir manqué, donc la pauvreté ou le manque d'amour d'une mère, ou au contraire d'avoir été élevées dans un excès de religion ou de règles. Est-ce que ces trajectoires ne sont pas d'abord des victoires sur une vie privée ? Oui, mais c'est souvent des victoires sur elles-mêmes d'ailleurs. Hein. Ce sont souvent des victoires sur elles-mêmes pour des femmes qui ont eu des failles très importantes au tout début de leur vie. Ce sont des victoires sur la société dans laquelle elles vivent, par exemple. Je pense à une femme comme Doris Lessing ou à Joyce Carol Oates, mais Doris Lessing encore plus précisément, qui vraiment s'est extraite du destin qui était tracé pour elle et qui est allée au bout
qui est allée à l'extrême, puisqu'elle, elle a carrément, dans un premier temps, abandonné les enfants de son premier mariage pour pouvoir partir, quitter le pays dans lequel elle vivait, dans lequel elle avait vécu une bonne partie de son enfance, son adolescence, et aller retourner s'installer en Angleterre. Elle s'était entre-temps mariée une deuxième fois, puis elle s'est séparée de son deuxième mari, elle est partie avec le fils né de ce deuxième mariage. Et toute sa vie a été un combat solitaire, pas forcément un combat de femme seule, mais un combat solitaire pour construire, vivre et revendiquer cette liberté. Alors, on parle beaucoup de féminisme aujourd'hui, des mouvements très radicaux, les femmes, la barbe. Est-ce que cela veut dire qu'on avance alors que les violences faites aux femmes sont... ont des chiffres toujours plus importants et on sent quand même une menace larvée et prégnante, ou est-ce que c'est un discours qui se dilue dans une communication à la mode? Est-ce que le danger du féminisme, c'est pas de faire partie d'un paysage médiatique sans recouvrir une réalité efficace? Alors, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que de toute façon, tous les moyens de lutter pour l'égalité entre femmes et hommes sont bons, puisque de toute façon, c'est un combat qui est encore d'actualité et il faut continuer de le mener. Christine a écrit une somme sur la condition des femmes dans le monde, sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. De tout temps, depuis des siècles, les femmes se sont entendues dire que elles avaient déjà assez de droits comme ça, que le féminisme, finalement, n'était soit pas légitime, soit dépassé. Toujours. Or, suffit de regarder, y compris dans les sociétés développées, démocratiques dans lesquelles on vit, sociétés dites avancées, il suffit déjà de se pencher sur certains chiffres, des violences faites aux femmes, et pas seulement des violences physiques, de la violence économique, de la précarité dans laquelle vivent beaucoup de femmes dans notre pays. Il suffit de regarder ça. Il suffit pour les femmes de commencer à travailler, de vouloir progresser dans leur entreprise, pour se rendre compte qu'il y a énormément de combats encore à mener et que la question du féminisme, elle est centrale. Pourquoi elle est centrale? Parce que, et c'est l'objet de ce livre, pour ce qui me concerne, je considère que, et je l'ai dit beaucoup et je le répéterai encore, plus les femmes sont libres, plus les hommes le sont. Parce que quand vous assignez des femmes à un espace, à un rôle, à un déterminisme sur leur place dans la société, mais par symétrie, vous assignez les hommes à un autre rôle qui serait soi-disant un rôle de leader, qui serait soi-disant un rôle dominant. Mais ça va très loin, parce que si vous assignez par exemple la femme à son rôle de mère de famille, même une mère de famille qui travaille, mère de famille qui est la douceur, qui est là pour élever les enfants, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que parallèlement, le père, il est réduit à un simple rôle de géniteur, à un simple rôle de celui qui rapporte de quoi nourrir sa tribu. Et j'espère, j'espère pour vous, nous tous ici, qu'on considère que les pères ont un rôle plus important que ça à mener dans l'éducation et dans l'élévation de leurs enfants. Donc, vraiment, il ne s'est jamais agi pour moi de faire du féminisme un combat des femmes contre les hommes, mais des femmes avec les hommes pour construire une société différente. Et ces combats-là, je ne vais pas monopoliser la parole pendant tout le débat, mais ces combats-là, ils sont encore extrêmement nécessaires. Et je vous redis que toujours, 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 on a dit aux femmes, y compris au moment où Simone Veil se battait pour l'avortement, y compris au moment où on se battait pour la contraception, y compris quand Gisèle Halimi se battait pour une définition plus précise du mot viol, eh bien, on a toujours dit aux femmes, les combats sont dépassés, lâchez-nous avec ça, vous avez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas vrai. Il faut continuer, et il faut continuer pour les femmes et pour les hommes. Alors, il y a ça, Audrey, bien sûr. C'est ce qui sous-tend aussi le projet littéraire de ce livre. Mais au fond, Libre comme elle, est-ce que ce n'est pas une manière de revenir à l'écriture romanesque? Vous avez écrit L'Enfant Bois en 2003. Vous avez une plume magnifique, une plume de romancier. C'était pas ça, au fond, ce que vous aviez envie de faire? La littérature, c'est sûr que revenir à la littérature. Pour moi, c'était important d'écrire et d'écrire à ma façon. C'est pas un reportage, ce ne sont pas des reportages, ce ne sont pas des interviews, c'est
mon interprétation, ma façon de voir ces femmes et leur combat, et ma façon de raconter ce qu'elles m'ont apporté. Donc c'est une écriture effectivement très personnelle, parce qu'encore une fois, sur Simone de Beauvoir, sur Isadora Duncan, sur Angela Davis, sur Josephine Baker, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit ? Tout a été dit. Donc, je n'ai pas la prétention de renouveler le genre. J'ai simplement eu envie de dire en quoi ces femmes-là avaient compté, parce qu'on me pose souvent la question, comme ça fait quand même un certain temps que j'écume les tables rondes, les rencontres, les conférences, les rencontres avec les jeunes, etc., sur les questions du féminisme. On me pose très souvent la question de savoir qui m'a inspiré. Eh bien voilà, ces femmes-là m'ont inspiré et j'avais envie de le dire. Donc, et de les faire connaître pour ceux qui ne les connaissaient pas. Un beau livre de littérature et d'engagement ? Si vous le dites, merci, j'en suis flattée. Christine O'Krent, je ne vous oublie pas, Jean-Marc Bruno. Christine O'Krent, je... Pauvre, deux femmes. La parité, on voudrait qu'on fasse, mais on ne va pas entrer dans ces considérations un petit peu cintrées. Christine O'Krent, alors je ne vous demande pas de réagir, on n'a vraiment pas le temps, mais ce serait vraiment pourtant intéressant d'avoir votre regard, vous qui avez écrit le livre noir du féminisme avec Sandrine Trélat. Quelques biographies de dames... Ah oui, mais alors si on commence à dire tout ce que vous avez fait, vous avez remarqué, je suis restée discrète sur vos activités parce qu'on les connaît de toute façon. On va en parler forcément à partir de Khodorkovsky. Alors vous écrivez Les Rois Maudits. C'est les oligarques. Moi, j'ai eu l'impression de tomber dans Game of Thrones, dans une espèce de Dallas réécrit par Dostoïevski. C'est incroyable, cette histoire russe moderne que vous nous racontez. Comment avez-vous trouvé le fil narratif pour nous conduire de l'effondrement de la Russie à ce que vous avez appelé le système Poutine ? Et vous savez, il y a 25 ans tout juste aujourd'hui, comme beaucoup de journalistes, j'étais à Berlin et je voyais le mur tomber. Et pour ma génération, le rideau de fer, le mur de Berlin, la guerre froide, la fin du communisme, la fin de l'Union soviétique, ça a été bien évidemment un moment tellurique, un tremblement de terre. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, en gros, les années 90, qui étaient pour nous les années Mitterrand-Chirac, enfin des années encore assez familières, eh bien la Russie est sortie de notre champ, y compris d'ailleurs, sauf pour quelques rares experts éminents, du champ journalistique. Et tout à coup, lorsque se sont annoncés ces Jeux olympiques de Sochi en climat subtropical, ce qui pour des Jeux olympiques d'hiver était quand même très russe, je me suis dit que ce serait un moment intéressant pour voir comment la Russie de Poutine allait se présenter au monde. Et là-dessus, Vladimir Poutine, président élu, il faut toujours le rappeler. Oui, c'est pas une dictature. Ça, c'est autre chose. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. C'est un ancien officier du KGB qui a grimpé dans le système du pouvoir sous Boris Yeltsin, qui était donc le président de la Fédération de Russie dans les années 90. Poutine libère Khodorkovsky. Khodorkovsky était l'oligarque le plus riche, le plus puissant de Russie. Poutine comprend, quand lui arrive au pouvoir en 2000, qu'il ne peut y avoir qu'un seul tsar en Russie, et donc il envoie Khodorkovsky en camp d'internement pendant 10 ans pour mater les oligarques. Et à partir de là, j'ai découvert un univers. On connaît un peu le Far West américain au 19e siècle, mais là, c'est le Far West à l'Est, en même temps que nous, nos contemporains. Et donc, il y a d'abord un premier groupe de type et une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle la Batourina, qui vit surtout à Londres, dans un château qui est à peu près aussi grand que Buckingham Palace, 363 chambres. Et la Batourina retourne de temps en temps à Moscou, et quand elle y retourne, on dit la Batourina est retournée à Moscou avec le physique de Gérard Depardieu. Donc, voilà, c'est une dame assez costaud, dont l'immense... intelligence a été d'épouser un homme plus âgé qu'elle, mais qui pendant 16 ans a été le maire de Moscou. Et donc on découvre dans ces années-là, donc les années 90, début des années 2000, des parcours dont certains sont follement romantiques d'ailleurs. Alors certains ont fini très mal, pendus de leur fête ou pas. Et puis on voit aujourd'hui, et on est obligé de comprendre
parce qu'on voit ce qui s'est passé en Ukraine. On voit la popularité de Vladimir Poutine. On voit la manière dont la religion orthodoxe est redevenue un ciment important de la société russe. Et je me suis plongée dans l'histoire des oligarques d'aujourd'hui, qui sont très très différents de la catégorie précédente et qui sont tous des hommes de Poutine, tous issus comme lui du KGB, tous venus comme lui de Saint-Pétersbourg, et tous, vous l'aurez remarqué, frappés individuellement, nominativement, par les sanctions décidées par les États-Unis et l'Union européenne au fil de la crise ukrainienne. Et ça, c'est très singulier, parce que cela prouve, ce sont des sanctions frappant, c'est comme si en France, on frappait de sanctions le président de la SNCF, le président de Gaz de France, le président, paix à son âme, de Total, le président de la Sorbonne, etc. Et donc, c'est un système de pouvoir qui est tout à fait spécifique, certes un système autoritaire, légitimé par les urnes, même si ces urnes sont sans doute moins propres que les urnes de Corrèze, par exemple. Mais c'est quand même un système légitime, et Vladimir Poutine, et je crois qu'il faut comprendre ça dans l'analyse que l'on fait de cette crispation énorme entre la Russie et nous, il faut comprendre la fierté qu'il rend aux Russes. Et ça, c'est une dimension qui correspond à une formule que les idéologues du Kremlin utilisent volontiers, qu'on retrouve dans la littérature russe depuis le 19e siècle, et ça consiste à dire « la Russie, ce n'est pas un pays, c'est une civilisation ». Alors justement, votre livre est très fin dans le sens où on arrive à comprendre que Poutine est difficile à comprendre. À la fois, c'est un patriote, c'est un chef d'État qui veut faire prendre sa revanche à une Russie humiliée lors de l'effondrement de l'URSS. Comme vous disiez, son modèle, c'est Pierre le Grand. C'est pas un hasard, c'est un pétersbourgeois. Donc il y a cet enracinement aussi régional qui est très fort chez lui. Et puis, à côté de ça, donc c'est quand même un chef d'État qui a réussi à désendetter son pays. C'est un des pays les moins endettés. Enfin là, le rouble a perdu le quart de sa valeur depuis le 1er janvier de cette année. Oui, mais la dette est... La fuite des capitaux est immense. Vous savez, c'est une économie qui est une économie du tiers-monde, qui repose entièrement sur les matières premières. Donc, c'est une économie qui va bien. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a encouragé une classe moyenne dont le niveau de vie a monté quand les cours des matières premières sont à la hausse. Mais comme maintenant, le cours du pétrole, par exemple, est très bas, au contraire, c'est une économie qui souffre avec un niveau de vie qui baisse. Mais comme je vous ai bien lu, il vient de signer un contrat pour 30 ans avec la Chine, dont le montant... On ne sait pas à quel prix. Voilà, c'est ce que vous précisez, c'est sans doute pas au tarif européen. Ça, c'est une chose. Alors, c'est quand même, la dette russe est très mince par rapport à la dette américaine, à la dette française également, pour un pays qui est un pays continent. Mais à côté de ça, c'est aussi un réactionnaire et un homme qui, selon vous, organise la corruption. Est-ce que... Pas selon vous, hein, enfin, qui organise la corruption. La corruption est l'un des... l'un des nerfs du système. Disons ça comme ça, c'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Ça, c'est clair. Ou que ce soit, d'ailleurs. Est-ce que, finalement, il n'a pas... Dans l'affaire Khodorkovsky, puisque vous l'avez interviewé, c'est passé dans votre émission Affaires étrangères ce matin à 12h45... Donc, replay France Culture. Sur France Culture. Voilà. Est-ce que c'était pas très maladroit de sa part de la façon dont il a traité Khodorkovsky, puisque Khodorkovsky ressort de prison en martyr, alors que c'est une vraie sombre crapule, si on regarde quand même ses exactions et puis sa manœuvre assez dilatoire pour faire racheter avant son incarcération Yukos, cette société pétrolière, la première de Russie, aux Américains, c'était Exxon et Chevron. Donc c'est à ce moment-là aussi, au moment où il voulait incarner un contre-pouvoir à Poutine, et au moment où il faisait entrer des capitaux étrangers, que Poutine a décidé d'arrêter là avec ce poil à gratter insupportable. Est-ce qu'il a été un vrai stratège dans le cas Khodorkovsky ? D'abord, je crois qu'il faut se garder de tout jugement moral. En général. À l'occurrence, il y a quand même quelques condamnations. C'est toujours ce qu'il y a de plus facile. Et ensuite, il faut bien comprendre que. Il a acheté quand même Yukos, pardon, il l'a acheté à 350 000 euros, alors que ça valait 27 milliards de dollars. Oui, 5 ans après qu'il l'ait restructuré. Ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre. Vous êtes tombé sous un charme. Au début des années 90, en Russie, il n'y a pas d'état de droit.
D'ailleurs, la notion d'état de droit en Russie aujourd'hui reste quand même très élastique. Il n'y a pas d'état de droit. L'organisation militaro-soviétique s'effondre d'un coup, puisque Boris Yeltsin met fin à la fois à l'URSS et au Parti communiste. Donc, toutes ces unités ne tournent plus. C'était en plus l'époque où, selon la vieille formule, sous le communisme, les Russes aimaient dire « on fait semblant de nous payer, on fait semblant de travailler ». Donc c'était un système rouillé sur pied. Le gouvernement Yeltsin, son premier ministre Gaïdar, essaye de mettre en place un système de privatisation de ces énormes entités et distribue des coupons. Mais les Russes, n'ayant jamais su ce qu'était la propriété privée, pratiquement, crevant de faim, il n'y a plus rien. L'espérance de vie en Russie dans les années 90 régresse. Donc, il y a une bande de petits malins, de gros malins, qui sont des types qui ont 20, 23 ans, comme Khodorkovsky et quelques autres, qui font le tour pour ramasser les coupons, mais contre quelques cartouches de cigarettes, contre un saucisson, et qui se retrouvent à la tête, parfois, d'industries entières, notamment dans l'aluminium ou dans le pétrole. Et puis, ils font des banques. Et à partir des banques, ils construisent des holdings. Et avec ces holdings, ils prennent des participations. Et comme ils sont malins, dès qu'ils ont un peu d'argent, ça part dans les paradis fiscaux européens et à Londres. Donc, si vous voulez, c'est une manière de restructurer une économie qui est totalement brisée. Et c'est fait par un certain nombre de types qui sont plus malins que d'autres. Disons ça comme ça. Des oligarques ou des mafieux ? Les oligarques protégés par les mafias. Les mafias ont toujours joué un rôle très important en Russie. Elles sont en plus souvent ethniques et géographiques, la géorgienne qui se bat avec la tchétchène, etc. Mais lorsque Poutine arrive au pouvoir, lui d'abord c'est un homme du KGB. Il est au Kremlin, il a monté dans la hiérarchie quand Yeltsin était au Kremlin. Il a vu les rapports de force entre ces oligarques richissimes, il n'y a pas que Khodorkovsky, hein, il y en a une dizaine d'autres, qui en plus sont propriétaires des médias à l'époque. Oui. Donc, Poutine voit ces rapports de force et il dit avec moi, pas de ça. Et donc, il fait un exemple en choisissant le type qui s'est le plus occidentalisé, qui d'ailleurs a pris des experts comptables occidentaux, etc., pour normaliser, entre guillemets, son énorme business, et il l'envoie au goulag. Tous les autres, du coup, sont calmés, partent en exil, fuient pour la plupart d'entre eux, ou se soumettent, comme Abramovitch, que l'on connaît, parce que tous ces gens adorent le football, donc ils achètent des clubs de foot. Donc il y en a beaucoup qui vivent à Londres et en Europe, mais qui retournent à Moscou, et il y en a aussi, comme je l'ai dit, qui sont aujourd'hui le premier cercle autour de Poutine, avec évidemment des rivalités entre eux. Il y a encore un oligarque la semaine dernière qui s'est fait mettre aux arrêts chez lui parce qu'il avait déplu à un autre oligarque. Et il y a un copain d'enfance de Poutine qui était son prof de judo à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Rothenberg, qui a reçu il y a 3 jours. Alors, moi, j'ai dû m'arrêter à un moment donné. Mais vous arrêtez, il n'y a pas très longtemps, quand même. C'est un livre d'actualité. Le 17 septembre, mon éditeur m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu arrêtes. Donc, ce Rothenberg, Poutine a décidé, la semaine dernière, de retirer du marché tous les livres scolaires russes, pour, sans doute, que l'histoire soit réécrite un peu différemment. Eh bien, qui a le monopole de la réédition de tous les livres scolaires? C'est son ami Rothenberg, son ancien prof de judo, qui est l'un des 12 oligarques aujourd'hui les plus puissants de Russie. C'est pas en France que ça arriverait qu'un ministre de la culture ne lise pas un livre. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, alors vous parlez des oligarques, donc des oligarques première génération, des oligarques d'État, vous les appelez ainsi, oui, qui sont ceux d'aujourd'hui. Puis vous parlez aussi des oligarques régionaux, donc l'oligarque ukrainien le plus connu, c'est Perechenko, le roi du chocolat, qui vient de perdre, je vous ai bien lu, 40% de ses ventes de chocolat, puisque son marché russe lui est évidemment fermé. Il y a une chose qui est surprenante, c'est que l'attitude de l'Occident, elle est difficile à comprendre face à l'oligarchie.
puisqu'on critique les oligarques, et à juste titre, puisque c'est un système corrompu. Et pourtant, on a tendance quand même à soutenir le président en place, qui est un oligarque, le président de l'Ukraine. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance nécessaire pour expliquer ces deux attitudes? Ben, on a vu ce qui s'est passé en Ukraine il y a tout juste un an, quand le président ukrainien précédent, qui était tenu par Moscou, décide de ne pas signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Et là, on a vu à Kiev, sur la place Maïdan, des gens qui étaient quand même prêts à mourir en brandissant le drapeau de l'Union européenne, alors que nous autres, qui sommes dans l'Union européenne depuis sa fondation, nous estimons à tort et à raison que rien ne marche, que tout ça, Bruxelles, les réglementations, etc. En tout cas, on n'est pas prêts à mourir pour l'Europe. Ces gens étaient prêts à mourir et certains sont morts. Et donc, on a vu à ce moment-là qu'il y avait, dans cette Ukraine, qui, comme d'autres anciennes républiques soviétiques, a hérité à moindre échelle, mais du même système de pouvoir, des oligarques, de la corruption, etc., d'autant que, comme c'est le cas en Russie, tout ça repose sur les matières premières, et notamment sur le passage, en l'occurrence, à cause de sa position géographique, le passage du gaz exporté vers les marchés en Europe de l'Ouest. Et donc, tout ce système-là a été vilipendé, dénoncé par les manifestants de la place Maïdan, par une nouvelle génération de jeunes Ukrainiens qui voient la Pologne qui est entrée dans l'Europe il y a 15 ans et qui s'en sort magnifiquement, qui voient que le niveau de vie en Pologne est le double du leur, et qui disent, ben nous, voilà, on n'en veut plus de ce système corrompu. D'ailleurs, on l'a encore vu lors des dernières élections en Ukraine il y a 3 semaines, dès qu'ils voyaient l'ombre du commencement d'un oligarque, il le saisissait par le cou et il le mettait, et c'est pas une image, dans un bac à ordures. Donc il y a une forte réaction populaire dans un pays complexe, avec bien évidemment à l'est de l'Ukraine des gens qui sont pour plein de raisons différents de ceux de l'ouest de l'Ukraine. Mais on a vu aussi à ce moment-là que rien ne fait plus peur à un régime autoritaire, et surtout à Vladimir Poutine, que des manifestations dans la rue avec des gens qui sont prêts à se faire tuer pour une certaine idée de la liberté. Et donc c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine masse le long de la très longue frontière à l'est de l'Ukraine des troupes. C'est à ce moment-là que, bien évidemment, il arme, il soutient, il envoie des milices en uniforme, sans écusson, mais quand même, à l'est, qui est le bassin industriel de l'Ukraine, tenu lui aussi par des oligarques. Et donc là où vous avez raison, c'est que c'est pas une démocratie, j'allais dire, à la Suisse, même si on peut quand même remarquer que la Suisse est à peu près le seul pays d'Europe qui laisse encore aujourd'hui, malgré les sanctions, les oligarques russes fonctionner très agréablement sur les bords du lac de Genève. Cela dit en passant. Oui. Cela dit. Christine, on va rejoindre la question syrienne. Maintenant, Ils sont très copains, là, le camarade Poutine et le camarade Bachar. Et oui, alors vous nous en expliquez. On passe d'un roman à l'autre presque, parce que là, c'est du réel, c'est des enquêtes. Mais la réalité là que vous décrivez, tous les deux, dépasse vraiment la fiction. Enfin, c'est assez étonnant. Donc là, on quitte Game of Thrones pour retrouver un thriller politique. C'est aussi les feux de la passion, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a derrière cette histoire syrienne, d'abord, des relations entre... vous l'avez écrit avec Christian Chéneau, hein, bien sûr, il n'est pas ici, mais c'est un vrai travail de collaboration, un énorme travail journalistique avec 100 interviews. C'est d'abord une histoire d'amour entre la France et la Syrie qui a presque un siècle. Et puis c'est depuis ces 40 dernières années aussi une histoire d'hommes avec des relations entre Hafez el-Assad, Chirac, Rafik Hariri, qui finalement ont cristallisé peut-être la situation contemporaine en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où on part pour savoir où on arrive? On a voulu comprendre pourquoi finalement la France, qui a cette relation ancienne avec la Syrie, puisque la France a été la puissance mandataire sur la Syrie, on connaît bien ce pays, on a tracé les frontières, on a formé les élites, pourquoi on a eu ensuite une relation forte? Vous avez fait allusion à Chirac, Sarkozy, etc. Pourquoi en 2011, lorsqu'il y a cette
révolution syrienne qui commence, pourquoi on s'est autant trompé en France, trompé les politiques, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, le régime va tomber, les islamistes n'existent pas, etc. Et alors qu'on avait toutes les cartes en main, les experts, pour justement nous prévenir et nous dire attention, ce régime, certes, c'est une dictature féroce, mais il a encore des soutiens, il a encore des capacités de force, etc. Donc on a fait, on a remonté un petit peu le temps, effectivement, on est remonté jusqu'à même François Mitterrand qui est allé à Damas, ensuite Jacques Chirac qui se noue d'amitié avec Hafez el-Assad, il fait installer un téléphone rouge dans le bureau d'Hafez el-Assad pour pouvoir communiquer avec lui, comme il avait fait quelques années auparavant avec Rafik Hariri, dans la chambre à coucher de Rafik Hariri, il voulait avoir ce contact personnel, etc. Et puis après, il y a l'assassinat de son ami Rafik Hariri, et là, Jacques Chirac, si vous me permettez l'expression, pète un plomb, et il est mu par le désir de vengeance, et à partir de là, toute son analyse est fausse, parce qu'il dit, le régime syrien va tomber demain, etc. Or, il n'est pas tombé. Ensuite, vous avez Nicolas Sarkozy qui arrive au pouvoir en 2007, et lui, qui fait exactement le contraire au nom de la rupture et réintroduit Bachar el-Assad, qui est accueilli réel politique. Avec les honneurs sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2008. En nous, une coopération sécuritaire. Nicolas Sarkozy, on raconte une conversation absolument hallucinante qui tente de convaincre Barack Obama que Bachar el-Assad est un jeune type bien. Il a étudié en Angleterre, il porte une belle montre, sa femme parle français, etc. Obama lui dit « Attention, on a une analyse différente ». Et après, Nicolas Sarkozy se retourne vers son ambassadeur et dit « Mais c'est imbécile, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas cru ?» Donc beaucoup d'émotion, beaucoup de naïveté de la part des Français. Mais ça explique aussi pourquoi, lorsque la révolution démarre en 2011, eh bien finalement, on veut faire oublier tout ce passé un peu à Miami, notamment chez Nicolas Sarkozy, oublier les erreurs qu'on a pu commettre en Tunisie et en Égypte, on n'a rien vu venir. Et là, on passe dans la haine. Après l'amour, c'est la haine. Mais alors là, on est quand même, oui, d'accord, dans une famille, on peut s'aimer, se détester, mais là c'est très grave. On passe d'un tapis rouge sous Nicolas Sarkozy, ce que vous avez expliqué, et 7 ans plus tard, un appel au meurtre quasiment par le ministre Laurent Fabius, il ne mérite pas d'être sur Terre. Enfin, comment est-ce qu'on peut virer aussi radicalement? Et là, la question qu'on se pose, c'est la question de la responsabilité du personnel politique face quand même à leur fonction et à leur représentants, le fait qu'ils sont quand même représentants de pays. Ce qui s'est passé en 2011, c'est qu'on a dit on ne veut rien savoir, on ne veut pas connaître ce qui se passe. On avait un ambassadeur là-bas, les services de renseignement, qui envoyait des notes et qui disait le régime de Bachar el-Assad ne va pas tomber. En juillet 2011, cet ambassadeur, Éric Chevalier, a été convoqué à Paris. On lui a dit tu viens. Et dans une réunion absolument extraordinaire, en général au Quai d'Orsay, c'est un milieu très feutré, on parle de manière tout à fait apaisée. Et là, il y a eu presque un match de boxe entre cet ambassadeur qui dit « Écoutez, moi je parcours la Syrie, certes il y a des gens qui manifestent, mais il y a aussi un régime qui est fort ». Et l'envoyé de Nicolas Sarkozy, Nicolas Gallet, vient lui dire « Écoute, on en a marre de tes analyses, nous le régime va tomber, il doit tomber, donc tu la fermes ». Donc à partir de là, on s'est aveuglé, on n'a pas voulu voir la réalité. D'où ces petites phrases d'Alain Juppé, le régime va tomber, c'est une question de jour. La presse aussi, qui est une espèce d'emballement, espèce de romantisme révolutionnaire, face à un régime, encore une fois, qui est un régime d'une dictature. Mais ce n'est pas parce qu'on a une dictature en face de nous qu'on doit aussi se priver d'analyser ses adversaires. Or, ses adversaires ont été rapidement débordés par des islamistes qu'on n'a pas voulu voir. Et donc, on s'est embarqué comme ça dans une espèce de discours morale, Christine y faisait allusion, la morale, certes, on doit avoir de la morale, mais on ne peut pas faire une politique uniquement avec de la morale. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec, d'un côté, un dictateur qui est toujours là, parce que lui, ses alliés ont tenu leur parole, la Russie, l'Iran, etc., et des rebelles modérés qui n'existent plus parce qu'on n'a pas voulu les aider, parce qu'on n'a pas voulu voir aussi que rapidement les islamistes ont pris le dessus, et donc une situation absolument catastrophique et un zigzag de la diplomatie française qui ne veut pas reconnaître ses erreurs. On a essayé de rencontrer Laurent Fabius. Le seul qui a accepté, c'est Alain Juppé, de manière très concise. On a dit oui, c'est vrai, on s'est planté, etc. Mais sinon, on est toujours droit dans nos bottes à dire on doit soutenir cette opposition modérée alors qu'elle n'existe plus. Il ne s'agit pas de réhabiliter le régime, mais il s'agit d'avoir une analyse objective et sérieuse sur la situation. Alors c'est certes une dictature, mais qui est assurée, qui était stable dans un...
c'est-à-dire elle nous rendait aussi beaucoup de services, hein, les services de renseignement syriens. Puisqu'on ne fait pas de morale, puisqu'on est dans une forme de cynisme étatique. Une guerre civile, des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés à l'extérieur. Oui, mais un tiers des 200 000 morts sont des morts de l'armée aussi. Oui, non, mais il y a une violence de la part du régime. C'est un régime qui ne connaît qu'une seule réponse, c'est la brutalité. Mais on savait très bien dès le début. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ceux qui connaissaient la Syrie, les diplomates, les hommes du renseignement, les experts, n'ont jamais été consultés pour une raison très simple, c'est qu'ils n'étaient pas de cet avis-là. Donc, encore une fois, marginalisation. Mais c'est vrai que c'est un régime qui nous a rendu beaucoup de services, parce que lorsqu'il y avait des jeunes de Brive ou des environs qui allaient faire le djihad en Irak dans les années 2005-2006, pas de Brive, mais de Toulouse, par exemple, eh bien, les services syriens les arrêtaient, les remettaient à la France. Et donc, en matière de lutte antiterroriste, ils ont rendu des services. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien qu'on raconte dans le livre qu'en décembre 2013, on a envoyé deux délégations d'espions voir Bachar el-Assad pour lui dire « Est-ce que tu pourrais pas nous aider à lutter contre l'afflux des djihadistes, etc. ?» Donc, effectivement, c'est un régime dictatorial, mais qui nous a rendu des services. Et aujourd'hui, avec cette émergence de Daesh, cet État islamique, cette monstruosité au Moyen-Orient, eh bien, certains se disent, est-ce que finalement, il ne faudrait pas renouer avec Bachar au niveau sécuritaire pour qu'on arrive à arrêter cet afflux de jeunes qui vont là-bas, etc. Donc, voilà, c'était toutes les questions qu'on pose. Ce qui est terrible dans ce livre, c'est qu'on s'aperçoit au fond qu'il n'y a pas de grande direction, quel que soit d'ailleurs le parti au pouvoir, enfin, quel que soit le gouvernement. Cela semble régi par de l'affect ou des croyances. On croit depuis 10 ans que le régime va tomber. Oui, c'est-à-dire ça finira peut-être par tomber. Oui. Mais voilà, on croit cela. On se fâche avec la Syrie parce que Chirac pense, et peut-être à juste titre, que l'assassinat de Rafik Hariri est du fait des Syriens. Mais ça reste que la raison d'État passe en second, on a l'impression, par rapport aux données personnelles et humaines. C'est-à-dire, il y a à la fois l'émotion, on a été beaucoup dans l'émotion face à un monstre froid. Hein. Vous avez Jacques Chirac, Rafik Hariri était son ami, probablement son financier, encore aujourd'hui son propriétaire, les Syriens ne l'ignorent pas, Nicolas Sarkozy était très proche du Qatar, les Syriens ne l'ignorent pas, quand on connaît le Qatar, je le connais bien, j'ai écrit un livre, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a probablement des liens financiers. Donc les Syriens, eux, c'est un monstre froid. Et donc, ils se disent finalement, les Français, ils sont toujours plus ou moins achetables. Et donc, compte tenu de tout ce passé aussi, en 2011, ce qu'on a voulu faire, c'est du politiquement correct. On s'était beaucoup trompé sur la Tunisie. Vous vous souvenez de cette phrase malheureuse de Michel Alliot-Marie qui dit, il suffit simplement de leur envoyer quelques bâtons, on va leur taper dessus, ils vont se calmer. Donc Alain Juppé, après, quand il arrive, dit, on s'est planté en Tunisie, en Égypte dans une moindre mesure. Donc, soyons maintenant du bon côté de l'histoire et donc supportons les révolutionnaires qui existaient, certes, qui étaient nombreux, mais on n'a pas vu rapidement que les islamistes derrière étaient en embuscade, parce qu'à l'époque, on fallait croire à l'islam politique, c'était notre relation avec le Qatar, les frères musulmans avaient contribué à renverser Moubarak. Évidemment, on leur disait pourquoi pas. Et donc, on a été un petit peu naïfs. Et comme on a fait rapidement de Bachar el-Assad le nouvel Hitler, ben aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Les Américains, par exemple, eux, ont été plus prudents. Ils ont vu rapidement l'axe djihadiste avec l'Irak. Ils ont vu rapidement que l'opposition était incapable de se structurer. Nous, on a vraiment navigué à vue parce qu'on s'est fixé un cap, Bachar et Hitler. Et à côté de ça, eh bien, on ne veut rien voir de cette opposition. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans une impasse. Et c'est extrêmement bien conduit dans votre livre. Audrey, vous piaffez, vous avez envie, vous avez terminé. C'est sur votre parole que se terminera la rencontre. Non, c'est simplement par rapport à ce que disait Georges Malbruno à l'instant. On ne voulait pas voir, les autorités ne voulaient pas voir. Parce qu'il y avait, les journalistes ont fait leur travail. Et il y a eu quand même... Assez peu. Oui. Personnellement, j'ai lu plusieurs reportages de confrères et de consoeurs, notamment je pense par exemple à des confrères qui sont partis en Syrie, je pense à Claude Guibal sur l'Égypte par exemple, qui ont très vite fait le lien entre, enfin, ont très vite montré le danger qu'il y avait à ce que cette opposition, aussi bien en Égypte qu'en Syrie, soit infiltrée par des forces qui ne sont pas forcément celles que nous souhaitons soutenir.
Enfin, en tout cas, c'est une enquête assez singulière dans sa voix quand même, et très impartiale, ce que vous avez fait. On est obligé de se laisser. Ça aurait dû être une rencontre d'une heure, forcément. Mais en l'occurrence, vous allez tous continuer sur les stands avec Audrey Pulvar, livre comme elle, publié aux éditions La Martinière. Georges Malbruno, qui a coécrit avec Christian Chesneau Les Chemins de Damas, publié aux éditions Robert Laffont. Et puis Les Oligarques de Christine O'Krent, publié aux éditions Robert Laffont. Merci à tous pour votre attention. Merci. Hein.